suis un peu atypique dans mon parcours. Je suis venu à la géologie et ce qu'on appelle la géomorphologie, on en parlera un petit peu sur le tard. Et puis j'ai fait ma thèse sur le tard. Il y en a, il a fini ça à 30 ans, 35 ans. D'autres comme moi, elle a fini ça à 50 ans. Voilà. Ça, mis à part, je suis passionné par les glaciers depuis mon enfance. Les paysages glaciaires. Et puis l'idée est venue en fait de faire un ouvrage sur les paysages hérités des grands glaciers qui ont occupé les vallées et hérités aussi des glaciers actuels. Et c'est comme ça que cet ouvrage a vu. Donc voilà. L'Atlas des glaciers disparus. Un titre assez mystérieux quand même. Hein. Ouais, le titre il est quand même un petit peu accrocheur. C'est vrai que les glaciers disparus, beaucoup de gens savent que les glaciers disparaissent. Et il y a même certaines personnes qui pensent que les glaciers ont disparu de certains massifs. Notamment dans les Pyrénées, un exemple, dans l'office du tourisme, il y a quelqu'un de ma famille qui demande « Est-ce que vous avez une carte des glaciers ?» Ah ben, il n'y en a plus. Alors qu'il y a encore des glaciers dans les Pyrénées, mais bon, c'est un peu des idées reçues. Et des glaciers, mais il y en a encore des beaux, des très beaux, hein. C'est intéressant de les visiter. Et c'est le sujet de la quatrième partie, justement, aller visiter ces glaciers, ce qu'ils nous apprennent sur le passé et peut-être sur l'avenir. Voilà, mais on va surtout s'intéresser au passé, là. Il y a 20 millions d'années, le climat des Alpes ressemblait à celui de la Floride. Il y a 20 000 ans, toutes les vallées alpines étaient occupées par de puissants glaciers. Grenoble, Annecy ou Lausanne étaient sous les glaces. Il y a 2000 ans, pendant l'optimum climatique de l'époque romaine, les glaciers étaient plus petits qu'aujourd'hui. Ils ont connu leur dernier grand épisode de crue pendant les 5 siècles du petit âge glaciaire qui s'est achevé vers 1850. Depuis cette date, les glaciers reculent partout, dans les Alpes comme dans le monde. Un recul presque constant qui n'a été interrompu au XXe siècle que par deux périodes de crue, la décennie 1915-1925 et la période 1954 et 1991. La décennie 1990 a été la plus chaude du siècle. Depuis, l'ablation estivale des surfaces glaciaires n'est plus compensée par l'accumulation, sauf en 1995 et en 2001. Cette situation est due à la diminution de la couverture nivale et surtout à la hausse des températures estivales qui accélère la fonte, donc l'ablation, à la surface des glaciers. Depuis un siècle, la température moyenne annuelle a augmenté d'environ 1 degré à l'échelle de la planète et de 2 degrés à Chamonix. La limite des neiges permanentes remonte et cette ligne d'équilibre glaciaire en dessous de laquelle le glacier ne se régénère plus s'est élevée d'environ 150 mètres dans les Alpes occidentales et jusqu'à plus de 200 mètres en Haute-Maurienne. L'été 2003, où les températures ont été les plus chaudes jamais enregistrées, est une date charnière dans cette évolution. Selon les chercheurs grenoblois de l'IGE, le rythme de la fonte a triplé. Une étude publiée de l'Université de Savoie montre que les glaciers des Alpes françaises ont perdu un quart de leur surface dans les 40 dernières années. Ils approchent de leur étiage de la période médiévale, mais les niveaux de l'âge de bronze ou de la période romaine ne sont probablement pas encore atteints. Le record de 2013 sera probablement battu en 2017. Inutile de faire fondre un glaçon sous un sèche-cheveux pour le comprendre, les glaciers alpins sont de parfaits indicateurs des changements climatiques. Les variations de leur volume répercutent en les amplifiant celles des températures moyennes. Leur histoire est une longue série de fluctuations extrêmement rapides à l'échelle des temps géologiques. Depuis le début du 19e siècle, les scientifiques ont appris à la lire en décryptant les traces laissées par les glaciers dans les paysages, le relief, la roche ou les archives humaines. On a ainsi pu reconstituer ces cycles avec une précision de plus en plus grande à mesure qu'on se rapproche du temps présent. C'est un tout petit concentré juste pour dire que... J'essaie de rebondir sur différents éléments. Ce qu'on appelle la ligne d'équilibre d'un glacier, la limite des neiges persistantes, en fait, c'est caractérisé ces 20 dernières années par une remontée de cette limite des neiges persistantes. Ça veut dire qu'on a des grandes surfaces glaciaires qui ne sont plus couvertes par de la neige à la fin de l'été. Et c'est sur ces surfaces glaciaires qui font partie de la zone d'accumulation dans laquelle la neige se tasse, se transforme en glace au bout de quelques années. Si ces surfaces glaciaires ne sont plus recouvertes de neige et qu'on a la glace mise à nu, eh bien le glacier ne fait que régresser. Et c'est le phénomène qui se produit depuis les années 90, je dirais depuis le début des années 90. Et ça, ça devient quand même assez dramatique parce que les étés très chauds qu'on a eus ces 10 dernières années, hein, 2003, 2009, etc., on voit vraiment des surfaces de glaciers grises. La glace apparaît alors qu'il y a 20 ans, il y avait encore beaucoup de neige. Donc ça, c'est vraiment caractéristique d'une remontée des températures, une augmentation des températures, et on va vers un climat beaucoup plus chaud. Donc dans l'extrait que j'ai eu là,
on se rend compte que dans l'histoire des glaciers, il y a eu des périodes avec des hauts et des bas que tu résumes. Alors, on peut résumer ça sur cette courbe qui est une courbe extrêmement lissée. Hein. Faut pas l'oublier puisqu'elle remonte jusqu'à 2,4 milliards d'années. On a des épisodes extrêmement froids. Vous avez sûrement entendu parler de la Terre boule de neige, où la Terre était complètement glacée. On ne sait pas exactement pourquoi. Ensuite, on a une période froide, un peu comme aujourd'hui. Oui, on est quand même dans une période froide, avec des calottes glaciaires, l'Antarctique, le Groenland. Et à cette époque-là, pendant l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années, 440 millions d'années, on a une grande calotte glaciaire comme l'Antarctique qui s'est développée sur l'Afrique. Et pourquoi l'Afrique? Parce que l'Afrique était au pôle sud. Alors on trouve au Niger des traces de cette glaciation. Plus tard, pendant la période thermo-carbonifère, il y a un peu plus de 300 millions d'années, on a des glaciers qui s'installent au sud de l'Inde et en Amérique du Sud. Seulement, les continents bougent sans arrêt avec la dérive des continents, et ces terres étaient situées au pôle sud. Et puis après, la Terre elle a traversé une très très longue période d'à peu près 200 millions d'années où il y a très peu de glaciers. C'est la période des dinosaures. L'effet de serre est 6 à 8 fois supérieur à l'effet de serre actuel. On atteint des valeurs records, on dépasse les 1000 ppm en termes de CO2. Aujourd'hui, on est à 400 ppm, 410. Ppm, pour rappeler, c'est partie par million. Et une partie par million, ça veut dire une molécule de CO2, dioxyde de carbone, pour un million de molécules d'air. Voilà, pour faire simple. Donc, les taux de gaz à effet de serre sont très très élevés à cette période. Il n'y a probablement pas de glacier, ou alors sur les très hautes montagnes. Puis ensuite, le climat va se dégrader. Et à partir de 30 millions d'années, on a des premiers glaciers qui vont s'installer en Antarctique. Tout ça à cause de la dérive des continents, parce que l'Antarctique va se retrouver isolée au pôle sud. L'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud se séparent de l'Antarctique. C'est la formation du passage de Drake qui génère un courant circumpolaire antarctique et froid. Et là, les glaciers vont se former sur le continent antarctique. C'est, on peut dire, le début de l'ère glaciaire dans laquelle nous vivons. Il y a 20 millions d'années, voilà, sur cette gravure, qui est au Jardin des glaciers à Lucerne, l'image des montagnes d'il y a 20 millions d'années, la région de Lucerne reconstituée. Donc vous voyez qu'à l'époque, on ne parle pas de glaciers, même si les montagnes sont certainement plus hautes qu'aujourd'hui, d'après certains géologues. Ensuite, le climat se dégrade réellement, on a des fluctuations avec des amplitudes de plus en plus importantes, surtout à partir de 3 millions d'années, et c'est l'époque des glaciations du Quaternaire. Et aujourd'hui, c'est paradoxal, mais nous vivons dans le Quaternaire. La prochaine glaciation, elle n'est pas pour demain, elle n'est pas pour dans 100 ans non plus, elle est pour dans 30 000 ans, à peu près 40 000 ans. Mais d'ici là, les glaciers ont le temps de fondre, de se reformer, de fondre, de se reformer, etc. Alors, tu peux nous situer, c'est quand on parlait d'il y a 20 000 ans, où est-ce que c'est, quand on était sous les glaces? Il y a 20 000 ans, c'est ici, c'est le maximum de la dernière glaciation. On est tout petit, quoi, on est vraiment au bout. Hein. Alors, l'échelle de cette partie de la courbe jusqu'à 1 million d'années est relativement, enfin précise si on peut dire, mais elle est propre, elle ne correspond pas à cette courbe très lissée qu'on a bien dans les temps les plus anciens. Et nous sommes ici, avec des températures moyennes qui ont pris 1,5 degré, voire 2 degrés depuis 150 ans, ça dépend des régions de la planète. C'est le bruit en fait. Déshabillez-vous. On peut fermer la fenêtre si vous voulez, ça ne dérange pas. Hein. Non, on va laisser ouvert. Donc nous on se situe là. Et alors, est-ce que ces courbes n'ont pas servi aux climato-sceptiques pour dire que justement il y a toujours une période? Non, complètement, ça sert encore d'ailleurs. Ouais. Récemment, on découvre tous les ans des morceaux de bois rejetés par les glaciers qui nous montrent que la forêt s'était implantée à l'emplacement de certains glaciers, beaucoup de glaciers des Alpes, à l'époque romaine par exemple, où il y a 3000 ans, à l'âge du bronze. Donc ça sert beaucoup la cause climato-sceptique. Alors le fait de dire que les glaciers ont connu des épisodes de retrait très importants, c'est pas faux. Le climat a été un peu plus chaud et plus sec à certaines périodes. Par contre, aujourd'hui, on n'est plus dans le même cas de figure parce qu'on a une telle augmentation de gaz à effet de serre que ce n'est plus un phénomène naturel. Ça va très vite. Et on prend un simple exemple. En période glaciaire, la teneur en CO2, dioxyde de carbone, est d'à peu près 180 ppm. On a parlé de ce que c'était, ppm. En période interglaciaire, elle fluctue autour des 280 ppm. Et ça, c'était valable jusque dans les années 40-50. Et à partir des années 60, ça commence à grimper. Et maintenant, depuis 2013, on a passé le seuil des 410 ppm. Là, il y a vraiment un problème. Et ce n'est pas naturel. Ça, c'est vraiment
C'est calculé, hein. Le GIEC, d'autres organismes qui travaillent sur le climat l'ont calculé. Ce qu'on rejette dans l'atmosphère chaque année fait que en 2100, les teneurs en dioxyde de carbone seront comprises entre 650 et 900 ppm. Là, il y a vraiment un problème, il faut trouver une solution. Alors en fait, il faut trouver des solutions. Je dis ça, c'est facile de le dire, mais il n'y en a pas. Il faut être honnête, il n'y en a pas de solution aujourd'hui. Alors, quoi faire? Laisser le climat se réchauffer et puis attendre la prochaine glaciation. Oula, on ne sort plus là. Non, mais il y a des choses. L'équilibre pourrait être retrouvé avant. Sachant que les océans absorbent les... Bon, je vais plaider pour une cause climato-sceptique où des gens pourraient dire « Ah bien, continuons à polluer, tout ira bien. » Mais les océans absorbent le dioxyde de carbone, notamment l'océan austral, ce sont des véritables puits de carbone, mais il faut un cycle complet de la circulation thermohaline, c'est-à-dire la circulation qui prend sa source dans l'Atlantique Nord et qui revient dans l'Atlantique Nord avec le Gulf Stream, ça met 1500 ans en moyenne. Donc c'est 1500 ans avant de retrouver un état d'équilibre. On va revenir au passé avant. Hein, pour, c'est, en fait, c'est le passé qui nous aide à comprendre le présent et surtout anticiper l'avenir. Des hommes ont vécu à proximité des glaciers depuis la nuit des temps, mais qu'en comprenaient-ils? De l'Antiquité au début du XIXe siècle, les écrits qui sont parvenus jusqu'à nous, descriptions d'érudits, de moines, de notaires ou de voyageurs, témoignent surtout d'une profonde incompréhension. Des paysans les faisaient traverser à leurs vaches munies de chaussettes, observaient leurs mouvements irrésistibles, entendaient le craquement des crevasses et s'y retrouvaient des corps. Mais ce savoir de riverain ne passait pas par l'écrit. Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que les institutions et les observations de plusieurs esprits éclairés convergent. Elles se catalysent à partir de 1818 en trois décennies. La connaissance du phénomène glaciaire va progresser davantage qu'en deux millénaires. 1818, la catastrophe du glacier Giétro. Cette année-là, un événement dramatique attire l'attention de toute l'Europe sur un coin discret du Valais, à l'ombre du Grand Combin, le Val de Bagne. Le glacier du Giétro, suspendu 700 mètres au-dessus de la vallée, est en crue rapide. Ses séracs s'écroulent dans le fond du vallon au niveau du verrou de Montvoisin, où il forme un cône immense qui grandit depuis plusieurs années. En avril 1818, ce glacier régénéré bloque le cours de la Drance, derrière ce barrage naturel, proche de l'actuel barrage de Montvoisin. Les eaux d'un très vaste bassin glaciaire s'accumulent, montant d'un mètre par jour. Le fond de la vallée est plat sur plusieurs kilomètres et cette étendue même multiplie la masse d'eau retenue. Plus elle est importante et plus le risque grandit, le barrage finira fatalement par céder et les flots ravageront la vallée, comme cela s'est produit plusieurs fois dans le passé. On sait par exemple qu'en 580, le siège de l'évêché de Martigny fut transféré à Sion à la suite d'une inondation dont le glacier du Giétro aurait été responsable. Le climat se refroidissant à partir du XIVe siècle, les crues de ce glacier provoquent d'autres catastrophes dont on a gardé la trace, le 7 août 1549, puis de nouveau le 4 juin 1595. Ce jour-là, le barrage de glaciaire du Giétro céda de nouveau. Les flots dévastèrent les villages de la vallée jusqu'à Martigny. 150 personnes environ, dont la moitié dans cette dernière ville, trouvèrent la mort. Une nouvelle inondation, conséquence plus limitée, se produisit en septembre 1640. Mais revenons aux événements de 1818. Tu peux nous expliquer un peu? Alors, 1818, c'est surtout des savants, des scientifiques comme Ignaz Bennett, qui était ingénieur et qui a tenté d'éradiquer la catastrophe. Donc il a fait creuser un tunnel à la dynamite, il a creusé une tranchée, l'eau a commencé à s'évacuer, mais le flou a complètement érodé la tranchée et le barrage a cédé d'un seul coup, comme on l'a dans les récits. Mais finalement, ça s'est traduit par 39 morts à peu près jusqu'à maintenant. La catastrophe a été moins importante qu'en 1595, mais quand même. Alors à ce moment-là, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont retrouvés dans le Val de Bagne et qui ont écouté les témoignages d'un paysan lourtier, Péroudin, qui est un ancien de l'armée suisse, qui était lettré, qui écrivait, qui écrit d'ailleurs une lettre à Ignaz Bennett pour lui expliquer qu'il a constaté, bien en aval de Mouvoisin, bien en aval de Champsec, du
du Val de Bagne, des traces des glaciers qu'il en a vu jusqu'à Martigny, et qui pense que dans un lointain passé, les glaciers avaient atteint Martigny, et que des blocs de rochers, qu'on appelle maintenant des blocs erratiques, avaient été déposés très très loin. Alors les scientifiques se sont vraiment interrogés là-dessus. Ça a mis du temps, ça a mis à peu près 30 à 40 ans avant que, après 1818, avant que cette fameuse théorie glaciaire soit adoptée. Alors la théorie glaciaire, c'est quoi? C'est la théorie qui dit que les glaciers ont plusieurs fois envahi, ont débordé sur la bordure des Alpes, comme à Lyon, comme à près de Bâle, ou comme dans la région du glacier du Rhin, Schaffhausen. Donc ça, c'est maintenant acquis depuis 150 ans. L'origine, surtout, c'est la découverte des blocs erratiques. Les blocs erratiques, on en trouve un petit peu partout sur la Haute-Savoie, sur le territoire suisse, sur les Alpes. Alors, en voilà un. Alors, on peut l'appeler erratique, bien qu'il ne soit pas encore déposé. Il est, disons, en phase de transport. C'est une table glaciaire sur le glacier d'Aletsch. Alors, c'est une photo qui date d'il y a une douzaine d'années, mais il est toujours en train d'être transporté parce que ça met du temps, vu la longueur du glacier. Alors, des blocs comme ça, on va en trouver sur la région lyonnaise. On va trouver des blocs extrêmement célèbres qui sont à l'origine de la théorie glaciaire, parce que les savants de l'époque ont commencé à tracer la limite de l'erratique. Notamment Jean de Charpentier, qui était directeur des salines de Bex. Bex, c'est dans le Valais ou dans le canton de Vaud, je m'en rappelle jamais. Bref, c'est des Suisses, là, je vais baisser un peu. Donc les blocs erratiques ont permis de cartographier l'extension des glaciers, mais l'extension maximale. Après, on s'est basé sur d'autres dépôts, des moraines, plus ou moins anciennes. On a des critères de différenciation, ce qui permet de différencier les glaciations par ordre de taille et d'étendue décroissante. Voilà quelques exemples de blocs erratiques hérités des glaciations. Alors il n'y a pas que des blocs erratiques, il y a aussi des lacs. L'exemple du lac des Quatre Cantons, qui est une cuvette surcreusée. Alors le terme surcreusé, on l'emploie en glaciologie. Quand un glacier rencontre une barre rocheuse de roche dure, il va creuser en amont et il va recreuser en aval. Et on dit qu'il va surcreuser, il va surcreuser la vallée plus profondément que ne le ferait un fleuve. Donc là, c'est le cas de la Reuss, qui est à... Excusez-moi. Je coupe tout ça. Je ne l'ai pas jeté. C'est rare que je me fasse piéger. Donc le glacier de la Reuss a entaillé en direction de Lucerne cette vallée de la Reuss à l'emplacement du lac des Quatre Cantons. Et puis les autres héritages des glaciers, bien, il y en a un que vous connaissez tous pratiquement, c'est hérité de 1825, maximum d'extension de la mer de glace. Au village des Bois. Au village des Bois. Un bloc qui est classé par Alphonse Fabre, qui est un scientifique géologue suisse de Genève, qui avait répertorié 125 blocs erratiques depuis le village de Chamonix à l'époque jusqu'à Genève, donc, et marqué d'un F et numéroté. Alors, au sommet du Salève, on a des blocs erratiques, et celui-là est très connu des Lyonnais, c'est celui de la place de Gros Caillou à la Croix-Rousse. Vous connaissez peut-être pour avoir été à la place de Gros Caillou. Voilà, donc ça fait partie de l'héritage géomorphologique. Et la géomorphologie, c'est l'étude des processus qui ont amené au paysage que l'on connaît aujourd'hui. Et un paysage dans les Alpes qui est immédiatement hérité de l'impact des glaciations. Un simple exemple, depuis un million d'années, on considère qu'il y a à peu près 10 glaciations qui se sont étendues et qui ont occupé les vallées des Alpes. Les grandes vallées, comme celle du Rhône en amont de Martigny et celle de Grenoble, enfin celle de l'Isère en amont de Grenoble, surtout d'Albertville, se sont approfondies d'un kilomètre et demi à peu près. Donc c'est l'érosion glaciaire qui a creusé ces vallées. Et quand les glaciers sont partis, on avait des grands lacs. Les grands lacs ont été comblés par les alluvions, et c'est pour ça qu'on a des plaines toutes plates, à Pontcharra, à Salanches, à Bonneville. Ce sont des vallées. Toutes les industries humaines, les infrastructures humaines et l'agriculture, quand il en reste, est posée sur du remplissage d'alluvions post-glaciaires. Chamonix, c'est pareil. Et tu veux parler un peu de la période, revenir juste sur le petit schéma pour parler de la période du Würne. Alors on va en parler là. Depuis 2 millions et demi d'années, alors c'est le chapitre 2 en fait du livre, on a une succession de glaciations, on ne va pas toutes les détailler, on va juste s'arrêter sur une carte qui illustre la dernière. Mais avant tout, c'est important de situer le Würm. Le Würm, il est là. Vous voyez, dans le pavé bleu. Il a commencé il y a 70 000 ans à peu près, avec des petites variations. Une glaciation, ce n'est pas linéaire. On a des glaciers qui avancent à un point extrême, qui vont reculer pendant quelques millénaires et qui vont réavancer.
Donc le maximum de froid de la dernière glaciation s'est produit il y a à peu près 22-24 000 ans. Les glaciers des Alpes ont atteint leur maximum autour de 30 000. Après, ils étaient déjà en régression. En régression pourquoi? Parce qu'on avait une série d'anticyclones extrêmement froids dus aux grandes calottes glaciaires sur l'hémisphère nord. Donc il y avait beaucoup moins de précipitations des gels, donc moins d'alimentation. Et puis la dernière glaciation s'est terminée il y a 11 000 ans. Et il y a 11 000 ans, on est véritablement rentré dans ce qu'on appelle les temps post-glaciaires. Et nous vivons aujourd'hui dans les temps post-glaciaires. Alors pour illustrer cette période justement de la dernière glaciation, voilà la carte du Vurne. Entre 28 et 35 000 ans, je dirais. Pour l'instant, il y a un grand débat sur l'âge, on ne va pas en débattre. Il y a beaucoup d'empoignades, beaucoup d'hommes aussi, comme dans toutes les disciplines de toute façon. Là, il faut que tu dises les noms parce que... Alors on va détailler tout ça. On n'a pas grand-chose là. Si on regarde vers le nord, ben, on a Zurich ici. Les lacs sont présentés en pointillés. Le lac de Neuchâtel, j'ai pas de baguette, c'est dommage. Les lacs, vous les apercevez en pointillés, vous avez le lac Léman, merci. Lausanne, le lac Léman en pointillés, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, et on voit très bien. Et le Mont Blanc est ici. Le Mont Blanc, le voilà. Avec Chamonix au milieu de la carte. Et on voit très bien d'ailleurs. Voilà, Chamonix, le point rouge. Et on voit bien que ces glaciers se terminent sur la région lyonnaise, au centre de la glaciation de Chamonix. Oui. D'ailleurs, vous verrez quelques photos de synthèse tout à l'heure qui montrent un peu la situation environnementale de la vallée de Chamonix, enfin du moins de ce qui était sous la glace. Plutôt la glace par-dessus. Donc Lyon, à 15-20 km de Lyon, à ce moment-là, le glacier arrive à peu près à l'emplacement de l'aéroport Saint-Exupéry. On voit également que toute la vallée de la Baltée, le grand glacier de la Baltée passe sur Aoste et vient mourir dans l'amphithéâtre morénique d'Ivrea. Quand vous prenez l'autoroute en direction de Turin, vous avez cette grande moraine d'Ivrea, rectiligne, que l'on suit sur 25 km à peu près. C'est absolument gigantesque. C'est l'accumulation d'une dizaine de glaciations, ces morènes. Elles font jusqu'à 350 mètres de hauteur. Voilà, que dire d'autre? La calotte jurassienne est complètement autonome. Elle empêche le glacier du Rhône de pénétrer dans le Jura par les plus basses dépressions. Et on voit que le glacier du Rhône s'étend surtout vers le nord, en direction de Soleure, au nord du lac de Bienne et du lac de Neuchâtel. On peut dire alors que nos glaciers actuels sont les héritiers de cette période? Plus ou moins héritiers, oui, mais ils ont certainement fondu beaucoup plus à certaines périodes, donc ils se sont reconstitués. Mais les glaciers d'aujourd'hui sont les embryons de ce qui pourrait devenir, dans 30-40 000 ans, à nouveau des grands glaciers. C'est même une évidence. Ah, pour toi, c'est des embryons? Oui. D'accord. Ou alors des reliques. Ça dépend de quelle sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà. C'est un cycle complet. Un cycle glaciaire. Mais donc, il n'y a pas très longtemps qu'on a compris tout ça, cette géomorphologie des glaciers. La géomorphologie, c'est la science qui étudie les formes que les glaciers ont abandonnées, ont creusées. On a des formes d'érosion et des formes de dépôt. Les formes de dépôt, l'exemple strict, c'est le bloc erratique ou la moraine. Depuis la moraine quand des bois. On a compris tout ça. Bon, le bloc erratique, on l'a compris. Déjà depuis De Saussure. De Saussure, à la fin du 18e, avait commencé à comprendre que les glaciers érodaient et que les glaciers déposaient aussi du matériel. Donc il avait déjà bien avancé. Par contre, au niveau des blocs erratiques, l'origine des blocs erratiques de la région genevoise, de la région lyonnaise, lui supposait encore que c'était le déluge universel qui les avait déposés. On en est assez vite remis. On va voir les montages que tu as fait, superbes. Voilà, alors pour illustrer la dernière période glaciaire, là, trois images pour montrer 30 000 ans de fluctuation de la mer de glace. La mer de glace actuelle, on voit bien ce retrait, et surtout ce glacier qui se transforme en glacier noir. On passe le ray dans les 20 prochaines années, le glacier aura perdu encore 600 à 700 mètres, voire 800 mètres, mais il sera tout noir jusqu'ici. Voilà, pendant la glaciation, avec la vallée de Chamonix, au premier plan, on voit que le sommet de l'aiguille à Bochard émerge un petit peu. Donc il y avait à peu près 1500 mètres d'épaisseur de glace sur Chamonix à ce moment-là. Voilà, on revient à l'image actuelle pour revoir l'image de synthèse qui est une projection pour les 100 prochaines années, 100-120 prochaines années. Un lac, un glacier qui aura perdu 4 km de longueur, 4 km et demi, grosso modo. Comme on sait qu'on a une cuvette assez importante dans ce secteur-là, là, ici,
en aval de la tête de Trélaporte, on a une fosse qui fait 300 mètres, occupée encore aujourd'hui par un peu plus de 300 mètres de glace. Donc quand le glacier va reculer dans cette fosse, on aura automatiquement un lac qui va se mettre en place. Donc on ira en montant vers au bord du lac. Bon, un petit peu, il faudra prendre un chemin pour monter là. Ils vont enfin pouvoir faire du bateau. Bon, la végétation va rapidement prendre possession des lieux. Il faut que les moraines se rééquilibrent, elles s'écroulent, donc on n'a pas encore atteint la phase de rééquilibrage, ça va demander une dizaine d'années, et ensuite les arôles commencent à s'installer. Et les bois que l'on trouve dans les moraines de la mer de glace, dans ce secteur-là, eh bien, ils ont 3000 ans, 2000 ans. Ce sont des arbres qui poussaient à une époque où la mer de glace n'avait peut-être pas reculé à ce point-là, mais pas loin. Alors ça, évidemment, ça alimente la théorie climato-céphique. Alors, c'est la mer de glace. On passe à une autre vue. Voilà, par exemple, le bassin de Salanches, aujourd'hui, vu depuis le sommet des Quatre Têtes. Alors, la reconstitution du dernier maximum glaciaire nous donne ça. Voilà. Alors, je pense que le glacier est venu vraiment en contact avec les craies calcaires massifs, les massifs de Platé. Ensuite, le glacier s'est abaissé progressivement pour être vers 1400 mètres sur Bonneville, quoi, grosso modo. Ensuite, le glacier a reculé. Il y a 18 000 ans, on a une phase assez intéressante parce que c'est la période où le glacier a déposé tous les blocs erratiques de cordon combleau. Cette énorme accumulation qui a été exploitée, il y a d'ailleurs un sentier des graniteurs qui a été tronqué d'ailleurs pour faire une zone artisanale ou industrielle. C'est dommage parce qu'il y avait quand même pas mal de guides du patrimoine dans la région de Combloux qui utilisaient ça comme outil, c'était vraiment super intéressant. Bon, on leur a coupé l'herbe sous le pied, on a coupé ce parcours sentier des graniteurs qui a été amputé de pratiquement la moitié, c'est vraiment regrettable. Donc 18 000 ans, la situation, le glacier arrive à peu près à Maglan, et puis la situation suivante, le lac apparaît et le glacier arrive au Fayet. Et au Fayet, dans la forêt, en rive gauche, au-dessus du magasin moto, par exemple, dans ce secteur-là, au-dessus du parc thermal, on a des très très belles moraines qu'on ne voit pas depuis le bas, mais on peut, par un sentier... C'est la mer de glace, c'est quoi ce glacier? Alors, ça, c'est le glacier... Non, glace... mais celui qui est là, ouais. Okay, c'est bien, ouais. C'est le glacier de la vallée de Chamonix qui débouche là où on a l'aiguillette des eaux. Donc c'est un général. Ouais. C'est un glacier général, c'est un glacier qui est dû à la confluence de tous les glaciers du glacier du Mont Blanc, y compris pas mal de glaciers des Aiguilles Rouges. Peut-être pas tous, mais quelques glaciers. Mmh. Et l'autre, c'est Bienassais, c'est quoi? Lequel? Ici, bah là, on a Bienassais qui apparaît derrière Parion et qui rejoint le glacier du Bon Nant. Alors le glacier du Bon Nant, il se terminait à un endroit où on a une crête morainique flagrante, ça s'appelle le Châtelet. Quand vous prenez, que vous êtes à Saint-Gervais, vous prenez le grand pont qui est tout neuf, il y a quelques années, et le grand pont, la route fait un grand virage en amont du pont, il vient buter contre la colline du Châtelet, là où vous avez les ruines d'un château. Donc le service archéologique de la Haute-Savoie a demandé à ce que ce site soit préservé, parce qu'il y avait des ruines. Il m'avait demandé aussi d'intervenir pour aller voir sur quoi c'était construit. Donc je leur ai dit, bah, effectivement, c'est bien une moraine. Donc deux raisons. La moraine, je pense que... le génie civil s'en foutait, mais au niveau du service archéo, ils ont eu leur poids et du coup, ça a été contourné par la route. Donc là, c'est l'emplacement, grosso modo, de la langue terminale du glacier du Bon Nant à cette époque-là, qui n'était plus en confluence avec le glacier venant de la vallée de Chamonix. Et puis le lac Léman, photo d'aujourd'hui vue depuis un des sommets du Jura, pas très loin du col de la Faucille, avec le Mont Blanc et le massif tout au fond. Et voilà la situation au maximum de la glaciation du Blanc. À ce moment-là, les Voirons émergent de la glace et le Salève émerge un petit peu de la glace également. Pas beaucoup. Alors que le Salève a été sous la glace pendant plusieurs glaciations. Pendant l'avant-dernière glaciation, les blocs erratiques que vous avez au sommet du Salève ont... On a eu des datations sur ces blocs, on a 875 000 ans. Donc on sait que pendant l'avant-dernière, le Salève a été sous la glace. Mais il faut bien rappeler qu'on est quand même au Vurmelin. Là, c'est le Vurmelin. on remonte pas... Non, mais c'est pas si vieux. Voilà, c'est pas si vieux. Ce qu'on appelle le RIS, une des plus grandes glaciations. Le RIS récent, il y a 3-4 RIS, selon les auteurs, ça se termine il y a 130 000 ans. On a des belles traces sur la région lyonnaise du RIS. La place du Gros Caillou avec son bloc, c'est le RIS récent. Fourvière, c'est un risque plus ancien, parce que les glaciers ont été jusqu'à Tassin-l'Albine. Bon,
Alors, une photo de la région lyonnaise aujourd'hui, grosso modo, avec dans le lointain le Mont Blanc, évidemment, bien visible par beau temps. Là, on voit la centrale du Bugey, ce qui permet de localiser le plateau de Crémieux. Et la photo suivante montre la reconstitution de Lyon il y a 30 000 ans, avec le Mont Blanc dans le lointain aussi. Alors, a priori, le Mont Blanc n'a pas changé. Là, on est sur une petite calotte glaciaire au Mont Blanc, de glacier froid. Donc collé au rocher, on ne va pas rentrer dans le détail, on a des glaciers qui sont en dessous de 0 degré, il n'y a pas de fusion à la base, il n'y a pas de glissement, donc pas d'érosion. Alors on peut dire, on peut affirmer que le Mont Blanc ne s'érode pas, il n'y a pas d'érosion, c'est un glacier qui est collé. Par contre, la glace qui est la carapace de glace du Mont Blanc, elle descend quand même, mais elle descend par déformation interne, par fluage. Donc ça c'est le glacier du Rhône. Alors ça, non justement, ce sont tous les glaciers réunis sur la région lyonnaise, qui viennent principalement de la Vanoise, de la Maurienne et de la Tarentaise. Et par les couloirs, ce qu'on appelle des couloirs glaciaires, c'est-à-dire le Val du Bourget et la Cluse de Chambéry, principalement. Et aussi la vallée occupée par le lac d'Annecy aujourd'hui, la Cluse d'Annecy. Donc les glaciers ont transité d'est vers l'ouest. Bon, honnêtement, je n'ai pas trouvé de dépôt, dans le cadre de mon travail scientifique, venant du bassin lémanique sur Lyon. Tous les dépôts viennent de la Vanoise. Les cailloux, les blocs, les sables fins, les minéraux lourds, toutes les analyses nous donnent des roches qui viennent de la Vanoise et même du Beaufortin. On trouve des blocs exactement les mêmes que ce qu'on a à la Pyramide, dans le Beaufortin. Donc c'est des vrais marqueurs. Alors le glacier. On voit le plus au sud, là, c'est quoi? C'est Vienne ou c'est. Non, là c'est la confluence du Rhône et de la Saône. Hein. Le musée des confluences va être par là aujourd'hui. On va pas jusqu'à Vienne. Alors le glacier du Rhône, il était où? Le glacier du Rhône, son cours principal était surtout dirigé vers le nord de la Suisse. Le lobe suisse fait quand même depuis Lausanne jusqu'à Wangen, au Moraine Terminal, 100 km de longueur. C'est très très large. Donc l'évacuateur de tout le Valais, c'était principalement par là, et une partie du glacier du Rhône s'écoulait par la Chautagne, sur Bellegarde, jusque dans la région de Culose. Mais guerre au-delà. Parce que dans la cluse des hôpitaux, dans les grottes, j'ai trouvé des sédiments qui viennent vraiment de la Vanoise. Je ne sais pas si vous voyez où est la cluse des hôpitaux. On part de Saint-Rambert, on remonte en direction de Culose, le train, la route, tout passe par cette dépression étroite. Alors encore une image de synthèse que j'ai trouvé assez sympa, qui est dans le livre d'ailleurs. Une photo prise en automne depuis le sommet du Catogne. Le Catogne qui domine le coude du Rhône à Martigny. Le Catogne, on est à 2500 mètres, donc on a vraiment une vue assez extraordinaire sur la vallée. On voit bien l'Léman dans le lointain, les Dents du Midi, les Dents de Morcle, et le paysage pendant le maximum de la dernière glaciation sur Martigny. Avec la calotte glaciaire du Jura, en fait. Parce que le Jura avait sa propre calotte glaciaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis le glacier reculé, il y a 18 000 ans, à l'époque où le glacier de l'Arve se termine à Maglan, eh bien le glacier de Rhône, à Martigny, se termine dans l'Léman, un petit peu en aval du verrou de Saint-Maurice. Le verrou calcaire de Saint-Maurice, il est là-dessous. Donc il n'est jamais allé à Genève. Ah si, mais avant. Mais bien avant. On a une étape avant, il y a 24 000 ans à peu près, où le glacier du Rhône s'arrête à Genève. Et antérieurement, il va plus loin que le Vache, mais toujours dans la même période glaciaire. Et on rentre dans la période d'étage glaciaire. Alors, je vais lire un petit passage. Un événement majeur de l'histoire du climat commence en 1350, le petit âge glaciaire. Jusqu'en 1850, le climat de la planète se refroidit avec un paroxysme au XVIIe siècle, entre 1580 et 1710. C'est la plus grande poussée glaciaire depuis la fin de la dernière glaciation. Il y a 11 700 ans, l'avancée glaciaire provoque des catastrophes lors des lacs de barrages glaciaires se vidangent brutalement. Elle détruit alpages, canaux d'irrigation, chapelles, chemins et même villages. L'inquiétude et l'intérêt pour le phénomène augmentent. Le petit âge glaciaire a d'abord été étudié dans les Alpes, mais c'est aux États-Unis qu'il a été baptisé. Au début du XXe siècle, le topographe américain François Emil Mattes étudia en profondeur les dépôts glaciaires de la Sierra Nevada et s'intéressant aux petits glaciers encore existants,
Il identifia en aval de ceux-ci une série de moraines bien conservées. Il baptisa cet épisode Little Ice Age. Le petit âge glaciaire, que les chercheurs abrègent souvent par PAG, compte 4 maximum vers 1350, 1640, 1820 et 1850. Il est maintenant admis qu'il débute après l'optimum climatique médiéval, avec la dégradation climatique du XIVe siècle et prend fin vers 1850-1860. Le PAG touche l'ensemble du globe, se caractérise par des séries d'hiver froids et d'été frais et des avancées successives des glaciers auxquelles correspondent plusieurs minimums des températures moyennes très nettes, 1 à 1,5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Ce refroidissement général est probablement la conséquence d'une période de faible activité solaire appelée minimum de Maudert. Les études récentes des laboratoires de glaciologie et géophysique de l'environnement de l'Université de Grenoble et de l'École polytechnique fédérale de Zurich nous éclairent sur les causes de ces avancées glaciaires. Elles suggèrent qu'elles seraient plutôt dues à une augmentation notable des précipitations qu'à une baisse des températures. Ainsi, les crues glaciaires seraient la conséquence d'une hausse de plus de 25% des chutes de neige, tout particulièrement durant la première partie du PAG. Cette situation a généré des bilans de masse positifs et en conséquence une importante progression des langues glaciaires. Dans l'histoire des glaciers, le PAG revêt une importance exceptionnelle. Étant la plus récente, elle est de très loin la mieux documentée, mais c'est aussi vraisemblablement la plus importante avancée des glaciers depuis le début des temps post-glaciaires. Dans les Alpes, les traces du PAG sont généralement bien soulignées par les immenses moraines latérales bâties ou simplement rechargées à cette époque, ainsi que par quelques moraines frontales situées à l'arrière, à l'aval. Alpinistes et randonneurs les connaissent bien, de nombreuses montées en refuge se déroulent au moins en partie en suivant leur fil. Le refroidissement a bien entendu des conséquences économiques. L'olivier cultivé à Ost au Moyen-Âge y est abandonné. Surtout, les glaciers détruisent des canaux d'irrigation, les fameuses bisses du Valais par exemple. Des alpages, des mines, des villages, même Bonhamlay, le Châtelard ou la Rosière dans la vallée de Chamonix. Tiefenmatten près de Zermatt est l'une des dernières grandes crues se produit au début du 19e siècle, non seulement dans les Alpes mais aussi dans toute l'Europe. Donc à l'époque, on savait pas, les gens interprétaient ça plutôt comme une malédiction. On ne connaissait pas les raisons déjà, même pas. Mais ouais, c'est une malédiction, c'est comme ça que les charbonnières ont fait appel, comme beaucoup d'habitants des Alpes, à l'église, pour essayer de trouver une solution et conjurer les glaciers. Si tu veux pas juste redire aussi, juste avant, à l'époque romaine... Oui, on n'a pas parlé des temps post-glaciaires. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de l'évoquer, comme on l'évoque dans le livre. Ouais. Avant le petit âge glaciaire, on a quand même des fluctuations. Du même ordre que le petit âge glaciaire, il y en a en gros une par millénaire, hein. Il y en a une il y a 3000 ans, 3500 ans plutôt, une autre antérieure, et entre chaque pulsation qui ressemble un peu au petit âge glaciaire, on a des épisodes chauds, pendant lesquels les glaciers reculent énormément, et aujourd'hui on pense que 50% du temps qui s'est écoulé depuis 11 000 ans, donc depuis le début du temps post-glaciaire, a eu des glaciers 5, comme aujourd'hui, voire plus courts. Donc ça permet de relativiser la décrue actuelle. Bon, maintenant, là, je mets de côté l'impact anthropique, qui est évident, qui existe. Mais les troncs d'arbres qu'on retrouve au fond de beaucoup de glaciers et dans les moraines latérales comme à la mer de glace soulignent à peu près 8 à 10 périodes chaudes pendant lesquelles la forêt s'est réinstallée à l'emplacement des glaciers. Et donc les hommes sont arrivés aussi, ils sont installés. Les hommes ont profité, les hommes se sont sédentarisés en fait à cette époque-là. Parce que avant, le début de l'agriculture, le début du pastoralisme, il y a 5000 ans, le début du pastoralisme. Beaucoup d'alpages commencent à être occupés à ce moment-là. C'est vraiment des périodes d'optimum qui sont favorables. Favorables pour traverser les cols. Potsy, par exemple, traverser un col dans le massif du Hotstal, où il a trouvé la mort, une maison toujours un peu mystérieuse. Il y avait énormément de passages, notamment en Valais, entre le Valais et le canton de Berne, par le Chenil d'ailleurs, au-dessus de l'Ossion. Donc c'est des périodes favorables pour l'homme. Et après, on retrouve un optimum très important, c'est l'époque romaine, et après, dégradation climatique qui suit l'Empire romain. À nouveau, une période chaude au Moyen-Âge, vers 1200, 1100 à peu près, et à partir du XIVe siècle, le petit âge glaciaire démarre. C'est une des plus grandes poussées, en fait, de cette période post-glaciaire. Ce qui était intéressant aussi d'expliquer, dans le texte, on parle que
la période du quittage glaciaire, la période la plus froide, notamment au XVIIe siècle, a généré une série de bilans de masse positifs. Ça, c'est intéressant de l'expliquer. Qu'est-ce qu'un bilan de masse? Alors, on ne fait pas un bilan de masse chaque année pour tous les glaciers. Il y a 5 glaciers en France et 6 glaciers en Suisse qui sont mesurés. On fait un rapport entre l'accumulation et l'ablation de la période estivale. Et le bilan, ben, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? À savoir que depuis 35 ans, on n'a que 2 années à bilan positif où l'accumulation a été supérieure à l'ablation. Donc les périodes des années 70, 80, début 80, les bilans avaient tendance à être très positifs. Jusqu'en 90, on avait des hivers enneigés et des étés qui étaient assez pluvieux et donc enneigés en hiver. Mais ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré à partir de... Le climat a commencé à basculer à partir de 84. 84, le glacier des Bossons, il marque une pause. Et comme il réagit en 3 ans au climat, à partir de 87-88, là, il commence vraiment sa décrue. La mer de glace, elle réagit en 12 ans après. Mais 84, c'est le premier été un petit peu caniculaire. Il y a eu beaucoup de chutes de pierres, beaucoup de blessés en montagne, suite à des chutes de pierres importantes, et des cristalliers notamment, qui encaissent des énormes chutes de pierre pendant l'été. Et après, ben, on a eu 95 avec bilan de masse positif et 2001. Vous voyez qu'on les compte sur les doigts d'une main. Mais on revient à notre petite taille glaciaire. Le glacier représenté par un peintre à la fin du 19e siècle, Willix, son nom je crois. Avec le glacier Dragon qui vient dévorer les prairies. Et en gros, c'est peut-être le glacier de Fisch dans la haute vallée du Rhône, qui avançait à proximité du village. C'était le cas pour le glacier du Gorner. Alors dans cette partie, justement la quatrième partie, on parle beaucoup des grands glaciers dans lesquels dans ces chapitres, on va évoquer le petit âge glaciaire, on va évoquer les extensions passées de ces glaciers, puis les choses à voir sur un parcours. Voilà, donc du coup, là, les scientifiques sont venus quand même étudier aussi les glaciers à cette époque pour comprendre ce qui se passe. Enfin, les deux premiers glaciers qui ont été premiers étudiés, c'est la mer de glace et le glacier Unterach dans les Alpes bernoises. Unterach en premier, dans les années 1830 et quelques, 1820 et quelques, il y a le professeur Hugui, professeur à Soleure, qui était venu installer un campement sur ce glacier. Ensuite, Agassiz l'a imité dans les années 1840. Pendant 5 ans, il a établi son camp de base sur le glacier Lundera, avec des scientifiques comme Forbes, qui lui s'est installé en 1842 à la mer de glace, qui a décrit notamment les bandes de Forbes, qui a expliqué le fonctionnement. Ils se sont brouillés, hein, tous les deux, ils ne se sont plus du tout parlé jusqu'à leur mort. Après, on ne sait pas. On a justement une spécialiste de Forbes ici, ce soir présente. On peut peut-être nous en dire deux mots. Il était venu s'installer pour étudier justement le glacier, le fonctionnement d'un glacier, c'est ça? Justement, la rencontre avec Agassiz a été fondamentale. Agassiz n'était pas un spécialiste, il était spécialiste des poissons fossiles. Oui. Il est professeur à Neuchâtel. Et puis, il a rencontré Charpentier. Et il s'est complètement passionné pour la théorie glaciaire. Et il en a été un promoteur complètement zélé. Et il rencontre Force dans un coin perdu du nord de l'Écosse. Et Force, lui, connaît très très bien les Alpes auxquelles il est venu déjà depuis son jeune temps à marcher. Mais il est professeur de physique. Et en fait, Agassiz invite Force sur la Ha en 1840-41. Le 8 août, il est là, ils se rencontrent. Le 9 août, Forbes montre à Agassiz la structure verticale de la glace qu'Agassiz n'avait pas vue. Il prend une passion pour la glaciologie, je vais dire, qui lui permet aussi de satisfaire son goût de la montagne et son goût pour courir la montagne. Et il dit, l'année prochaine, donc l'été 1842, le meilleur glacier à étudier, le glacier, c'est la mer de glace, parce qu'elle est à proximité, il y a des gens très compétents, et il y a également l'auberge du Montanvert qui sera vraiment l'endroit où je pourrais étudier. Il y a une autre anecdote aussi, c'est que je crois qu'ils sont brouillés, oui. Parce que l'un d'entre eux, alors je ne sais pas si c'est fort, mais ça c'est peut-être une source venant d'Agassiz, ou inversement, oui. Il y en a un des deux qui a publié des données au glacier, relevé au glacier de Lutera, en son nom propre, sans associer autre. Non, mais moi je prendrai bien sûr la défense plus forte, mais en disant que avec Agassiz, ce ne serait pas tellement.
vraiment mal passé parce qu'Agassi a vite oublié les Alpes, il est parti en Amérique, hein. Ouais. Il est parti en Amérique, mais il y en avait un qui était très jaloux, c'est De Sorbe. Ah, De Sorbe, où il y avait une rivalité de montagnards. D'accord. Voilà, donc on va. Ouais. Mais c'est vrai que moi je non, je ne suis pas heureuse. Mais passionnée. Je veux le défendre. Oui. Voilà, il faut écrire quelque chose là-dessus. Mais c'est fait. Mais j'ai rien. Et donc, ce petit âge glaciaire, tu voulais dire quoi d'autre dessus ? Donc, le petit âge glaciaire, ben, il génère la photographie des glaciers aussi. Mmh. Parce que dans les années 1850, on a énormément de photos qui sont faites. Alors que les glaciers, dans certains cas, n'ont pas encore atteint leur maximum. Le glacier du Gorner, qui est en crue, a atteint son maximum en 1866. Le glacier de Moutera en 1871. Et ça, on a des glaciers en crue qui sont photographiés. Alors là, j'ai quelques noms, là, surtout des exemples. Ah, oui, alors je voulais parler aussi de l'origine du tourisme, mais aussi de l'origine de l'intérêt pour les glaciers. C'est William Pocock, 1741. Ça, c'est une des origines. Ce n'est pas le premier glacier visité, parce qu'on a des aristocrates bernois qui ont visité le glacier inférieur de Grindelwald au XVIIe siècle, dans les années 1630-35. Oui, non, faut faire dire que c'est chez nous, quoi. C'est pas un peu chauvin. Donc, on a énormément de lithographies aussi. Voilà, glacier des Bois en 1821 ou 22. Alors, il faut savoir que l'extension du glacier des Bois, donc de la mer de glace de 1850, est quasiment identique à 50 mètres près à l'extension, 50 mètres près au village des Bois, à l'extension de 1822-1825. Là, c'est ce qui m'a permis d'illustrer le propos de. Des processions, puisqu'il y a énormément de grands glaciers qui ont vu leurs processions, le glacier du Gorner, le glacier d'Allège et la mer de glace et le glacier d'Argentière. Bah, explique les processions, quoi, c'est des quoi ? Alors, les processions, c'est simplement des paroissiens qui demandent à leur évêque, qui demandent à leur supérieur ecclésiastique de venir bénir, organiser une procession, installer une croix pour demander au glacier de. D'arrêter d'avancer et de reculer. Et en 1644, la mer de glace s'est arrêtée d'avancer. Elle avait détruit le village du Châtelard et de Bonnanay. Quelques années, le Châtelard a été partiellement détruit à partir de 1610. Il y a un rapport de Nicolas de Cran, qui était chargé des finances à la cour de Savoie. Et c'était calamiteux pour les habitants du village des Bois et les habitants qui était à proximité du glacier des Bois. Donc l'évêque est venu, une procession avec 300 personnes qui accompagnent Charles de Salle, et après le glacier s'arrête d'avancer. Seulement le glacier a pris une nouvelle crue en 1660, et en 1662 les habitants de Chamonix ont fait appel à l'évêque, qui s'est déplacé bien après, et après été pressé en 1690. C'est le successeur de Charles de Salle. Alors avec toutes les processions qu'on a eues au XVIIe, au XVIIIe siècle, notamment des processions près de lac de barrage glaciaire, hein, pour conjurer le risque de rupture du barrage glaciaire, où les glaciers ont reculé, il y a eu certainement beaucoup trop de processions. Voilà, c'est le résultat. Exactement. Dans l'autre sens, maintenant. Dans l'autre sens, c'est fait. Dans le Valais, il y a une procession chaque année au glacier d'Allège. À partir de 1987, je crois que les habitants ont demandé au préfet de la vallée de Conques d'aller voir l'évêque. Il l'a fait. L'évêque s'en est ouvert au pape, qui a décidé de modifier une bulle qui datait du XVIIe siècle. Et dans la nouvelle bulle, il est écrit que l'Église doit faire le nécessaire pour préserver le patrimoine UNESCO, notamment comme le glacier. Donc il prie pour les glaciers. Alors on n'a pas le résultat parce que le glacier. Il réagit avec 40 ans de retard à peu près, mais c'est pas le glacier de Bosson. Mais peut-être qu'on va voir le résultat, sait-on jamais. Il faut croire au miracle pour les glaciers. Donc voilà, le glacier des Bois, que vous connaissez tous, qui est en photo partout, en 1860, et aujourd'hui, depuis la sortie de Chamonix. 1860, photo des frères Bisson, depuis l'emplacement de l'hôtel du Mont-Panvert, depuis une photo qui doit être 2015. Là, on a 200 mètres d'épaisseur de glace de moins face à la gare. Alors, grosso modo, il reste à peu près 60 mètres d'épaisseur de glace. C'est dangereux, hein. On parlait, il y a encore quelques années, de 80, 100 mètres, mais on est loin de 100 mètres maintenant. 60 mètres. Au milieu du glacier. Alors, dans le
le livre, effectivement, alors, donc c'est un atlas des glaciers disparus, mais dedans, il y a aussi une invitation, une dizaine de randonnées des plus beaux glaciers, mais des randonnées guidées avec des points de vue. Il y a plusieurs types, il y a donc, plusieurs niveaux. Tu vas expliquer, ouais. En fait. Tu vas expliquer ton choix déjà. Alors, le premier choix, ça a été des glaciers du point de vue esthétique, que ça réponde à un critère esthétique. Il se trouve que les plus beaux glaciers sont les glaciers blancs, inévitablement, et des glaciers qui sont encore grands, comme le glacier d'Aletsch ou le glacier du Gorner, Gorner au-dessus de Zermatt. La mer de glace, c'est un glacier archi connu, on ne pouvait pas y échapper de toute façon. Je le connais bien, je le connais trop même, et c'est pour ça qu'il me passionne moins que d'autres glaciers comme Aletsch. Mais les gens qui connaissent ni Aletsch ni la mer de glace, c'est important qu'ils puissent connaître les deux. Donc on a deux gros chapitres consacrés à ces deux glaciers. Ouais. Avec une cartographie détaillée pour le parcours. Alors, Aletsch, ce n'est pas le cas, un accompagnateur ou des gens qui sont habitués à marcher sur des bons sentiers, ça suffit, parce qu'on ne va pas sur le glacier. Par contre, pour la mer de glace, on va sur le glacier, on passe en rive droite, on passe par le refuge du couvercle, on redescend par les échelles et on revient sur le glacier, on passe au moulin. Et dans le livre, il y a des numéros sur chaque carte qui permet à cet endroit-là de se référer à un chapitre dans lequel on va parler des moulins, on va parler de la Bédière, on va parler des roches moutonnées, les roches moutonnées qui sont les roches polies par la glace, puisque maintenant le glacier descend tellement en épaisseur qu'il libère une impressionnante dalle de roches moutonnées, hein, qui ont été polies il y a encore 10 ans, même pas. Donc pour chaque glacier, on a un itinéraire en pointillé, et on décrit, et il y a des points d'arrêt où on va décrire un phénomène particulier. Donc un glacier du Rhône, donc là c'est vraiment un glacier disparu. Un glacier, oui, si on veut, j'ai une photo, une belle photo du glacier du Rhône. Il y a toute une partie du glacier du Rhône qui a effectivement disparu. Là on commence par le glacier blanc, glacier noir, dans le massif des Écrins. Mm-hmm. Les glaciers les plus méridionaux que l'on traite ne sont pas les plus au sud. Hein. Le plus au sud c'est le glacier du Clapier, qui se situe derrière la cime du Gélas, en massif de l'Argentière. C'est un glacier résiduel. Glacier blanc, qui est encore bien blanc, il a énormément reculé malheureusement. Le glacier d'Aletsch en Suisse, avec là sur cette photo vous avez 2 km de largeur. C'est le plus grand en fait ça. Oui, c'est le plus grand, 22 km de largeur. Hein? En Europe, c'est le Jostedalbrin qui est en Scandinavie. D'accord. C'est un plateau, un glacier plein. Dans les Alpes. Oui, dans les Alpes, c'est le plus grand des Alpes. Ouais. Qui se réunit à Concordia. En Suisse, ça explique. Quand on est à Martigny, on remonte la vallée du Rhône, en direction de la source du Rhône, et à un moment donné, la vallée devient de plus en plus étroite, après les bifurcations Zermatt et Saas-Fee, et vous arrivez à Brigg, c'est juste en amont de Brigg. Et là, vous avez plusieurs téléphériques qui vous permettent d'accéder aux crêtes. C'est des stations hein, en hiver, et on a une vue absolument extraordinaire sur le glacier. Mais de là, on peut faire quelques belles randonnées découvertes. Tout est expliqué dans le livre. Notamment dans le livre, je parle de la croix de Bazet-Fly, c'est une croix qui est en aval du glacier, un endroit où atteignait le glacier dans les années au XVIIe siècle, au XIXe, et là il y a eu des processions, jusqu'à 300 jésuites qui sont venus en procession ici, en 1818. Et le fameux bouc du glacier d'Aletsch, la légende du Rolibok. Le Rolibok, c'est un bouc terrible avec des glaçons sur sa robe. Cracher du feu et jeter des pierres partout, et la légende dit que si quelqu'un tombait entre ses pattes, il ne pouvait pas s'en sortir. Et moi je l'ai vu sur le glacier d'Aletsch, j'ai pas pu prendre. Vous avez jeté des pierres sur l'appareil? Oui, j'ai jeté des pierres. Donc cette légende est racontée bien sûr dans ce chapitre. Alors dans la randonnée, on n'invite pas les gens à remonter jusqu'à Concordia, parce que d'abord c'est très long, et c'est préférable d'avoir un guide local. Beaucoup de tours et détours sur le glacier en raison de ces crevasses. Et là, on voit très nettement que le glacier prend une partie de sa source au pied de la Letchorn, à 3200 mètres, et ensuite dans le secteur de la Jungfrau, au Jungfraujoch, le col de la Jungfrau, où arrive le train le plus haut d'Europe. Un panorama absolument extraordinaire. Et là, vous avez la confluence de 3-4 grands glaciers qui vont former ces fameuses moraines médianes que l'on suit jusqu'au bout. Et là, c'est en hélico que c'est fait. Comment ça? Alors, à Concordia, la place de la Concorde, ici, on a encore 900 mètres d'épaisseur de glace. Ah, ouais.
Là, on passe 900 mètres, on passe à 500 mètres, l'épaisseur, à la sortie de Concordia, et ensuite tout le long, bon, c'est la descente progressive, donc on a l'épaisseur diminue régulièrement. Alors que vous n'avez plus que 60 mètres. C'est eux qui vont en garder les derniers glaciers, les Suisses, alors Oui, oui. Ah, non, c'est pas sûr. Si ça se réchauffe beaucoup, ce sera le Mont Blanc, avec l'altitude. En plus, le versant nord, le grand plateau, le sommet du Mont Blanc. C'est ce qui restera en dernier. Si tout doit disparaître, c'est les derniers névés disparaîtront là-haut. Et Dieu merci, je ne serai plus seul. Voilà le glacier du Rhône aujourd'hui, qui est très joli. Hein. Il est encore blanc. On peut le parcourir en crampons, c'est facile, il ne faut pas aller trop haut non plus, parce que ça a pas mal de crevasses, et surtout ces glaciers étant légers. Hein. Ceux qui sont mis le savent bien, encordement obligatoire. Mais c'est une belle initiation au cramponnage et à la balade sur un glacier. Alors, au 19e siècle, le glacier occupait tout ce secteur-là. Le lac n'existait pas, il arrivait à ce niveau-là. Et le glacier plongeait littéralement dans le vallon de Gletsch, qui est le village de Gletsch aujourd'hui. Et où sont les vaches protectrices? Elles sont là sur cette photo. On ne les voit pas parce que je les ai évitées. Elles sont là. Non, même pas. Je regarde. Mais la grotte de glace, elle est là, la grotte de glace, et du coup on a de la glace en saillie de 10 mètres au-dessus de la grotte. C'est plusieurs années d'ablation qui ne se sont pas faites. Une partie s'est faite, mais c'est efficace. Donc là on est plus sur la rive droite alors, ta photo. La photo c'est la rive droite, absolument. C'est ça, d'accord. Le lac fait quand même 45 mètres de profondeur. Et on avait une partie du glacier qui était flottant il y a encore 5-6 ans. C'est ce qui explique pourquoi il a reculé aussi vite dans le lac. Un glacier qui arrive dans un lac recule très très vite, malheureusement. Donc maintenant, il repose sur le substrat. Je suis allé au bord, j'ai été regarder un peu partout. Effectivement, on voit bien le substrat rocheux, ou le sable plutôt, où arrive la glace. C'est assez transparent, on le voit bien. Donc de ce côté-là, on aura un recul qui sera moins important. Voilà, c'est la dernière diapo. Ah oui, bon. Je ne vais pas surcharger, sinon vous pouvez regarder les photos pendant des heures. Mais par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. On a des spécialistes, plusieurs, de l'histoire, de Forbes, de géomorphologues. Allons-y. Sylvain, j'ai encore une question. J'ai été très étonné que le glacier de Bionacé, il y a 16 000 ans, ne descende même pas jusqu'au Fayet, alors qu'il reçoit un bassin d'alimentation de haute altitude, ça va du Doumdoumouté à Bionacé, etc., et qui avait donc beaucoup de glace. Ouais, ça vient certainement de la configuration très étroite de la vallée, mais aussi le fait que le bassin d'alimentation, il est haut, mais relativement étroit. Là-dessus, on peut rajouter les glaciers du désert de Pierre-Ronde, une partie du glacier de le plateau du glacier de la Gria, tout ce qui était sur le plateau de Tétrousse, mais en fait, le bassin versant n'est pas immense. C'est uniquement pour ça, hein. En aval du désert de Pierre-Ronde, il n'y a plus de glacier latéral qui arrive en confluence. Et en plus, le glacier vient s'élargir et s'épancher au niveau du col de Tricot, sans atteindre Tricot, sans atteindre le col. Et après, il est resserré dans sa vallée et il vient confluer avec le glacier du Bon-Nord. C'est vrai que ça, plus les eaux de glacier, on aurait pu imaginer que ce glacier du Bon-Nord arrive jusqu'au Fayet. En fait, à l'époque, on avait un lac entre le glacier de l'Arbre et le glacier du Bon-Nord, dont on retrouve la formation deltaïque qui a été complètement incisée par le Bon-Nord, on la retrouve en rive droite du Bon-Nord, juste au-dessus du parc thermal. Là, on voit bien la stratification, c'est impressionnant, c'est un delta école. Merci. À partir de quel moment on peut considérer un glacier froid et un glacier tempéré? À partir du moment où il est en dessous de 0 degré. D'accord. Tout simplement. Donc, ça 0 degré dans la masse. De l'air ou 0 degré dans la masse, dans le rocher. Dans la masse même du glacier. La masse du glacier. Ça peut être à la surface, l'interface glace-roche, si elle est en dessous de zéro, et si la glace est en dessous de zéro. On va dire que le glacier est froid à la base. C'est le cas du glacier du Dôme du Bouté, où à 3400 mètres, il est encore à moins 2 degrés, juste au-dessus du socle rocheux, donc il est collé, il n'y a pas d'eau de fusion, mais quelques 50 mètres au-dessus, il est tempéré, il est à zéro. Donc c'est un glacier polythermique. Par contre, à 4300 mètres, il est à moins 11 degrés. Au sommet du Dôme. Donc il est collé. Il est collé. Il n'y a pas de fusion. Il se décolle au niveau de la chute de Sérac qui domine le glacier de Tacona. D'accord. Et c'est pour ça que chaque année, cette chute de Sérac, elle est surveillée
elle est prélevée par un carottage qui va jusqu'au socle rocheux. Ouais. Ils posent des gars du LGGE en hélico, ils font leur carottage, ils ont un petit derrick en fait pour le faire, et on mesure la température à la base du glacier. Et c'est vrai que le glacier pourrait devenir tempéré. Et s'il devient tempéré, on aura de l'eau à la base, ça va générer d'énormes avalanches. Il y aura des très très grosses avalanches. Oui, puis des gros paquets qui vont se casser littéralement. Casser, ouais. Mmh. Plusieurs millions de mètres cubes de glace qui vont descendre jusqu'au bassin de réception de Tacona. Ouais. Et au-delà peut-être. C'est ça le problème. C'est bien ça le souci. Ouais. Parce qu'en imaginant, s'il n'y a personne sur la Haute Blanche, ouais. Mais s'il y a du monde sur la Haute Blanche, c'est embêtant. C'est celui à Chamonix qui présente. Blanche, oui, non, oui. C'est le glacier de Tacona. C'est ce qui est surveillé. Ouais. Mmh. Des habitations au-delà de là. Oui, il y a pas mal d'habitations. Ouais. En bas de Tacona, vers le Novotel, tout ce secteur. Bon, le bassin de réception est très large, mais peut-être pas suffisamment. Ça peut descendre jusqu'au bout. De toute façon, un jour ou l'autre, si le. Oui, ça ira jusqu'à la route, même au-delà. Si, parce que si on a une avalanche de glace, qui va devenir poudreuse, pulvérulente, ça va atteindre, vu la hauteur, vu la dénivelé, des vitesses considérables, une avalanche extrêmement destructrice, comme une avalanche de poudreuse. Donc, c'est pour ça que chaque année, ce rapport est remis aux autorités locales, et le LGGE dit, voilà, on a relevé quelle température, pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'alarmer, c'est ce qu'on appelle le programme de la souris. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Déménager. Pas jeter sur les serrages de Tacona. Faire venir les bâches dans une possession. Oui, peut-être l'évêque. Mais... Non, ces bâches, ça marche vraiment. Ah, mais ça marche. Très localement. En fait, c'est pas qu'il faudrait. Non, mais on peut recouvrir 50, 100 mètres, ou, voilà. Je sais pas, 3000 mètres carrés comme on l'a fait, mais pas plus. La mer de glace, c'est 28 km carrés. Le glacier d'Allège, c'est 88 km carrés. Donc, il n'est pas possible de couvrir la zone d'accumulation avec des bâches. Ou alors, il faut demander des bâches biodégradables, blanches, avec une réflexion du soleil, financées par je ne sais pas, un émir arabe qui a des milliards à ne plus savoir qu'en faire. Alors là, oui, on part. C'est un bord du paysage. Mais oui, c'est ça. Si ça reste blanc. Est-ce que dans un avenir lointain, on peut revenir de la période de guerre? Vion, oui. Vion, oui, c'est allemand en fait. C'est le nom d'une rivière de Bavière. Oui, d'après les modèles qui tiennent compte des paramètres astronomiques, le prochain cycle glaciaire, la prochaine glaciation, devrait commencer dans 30 à 40 000 ans. On a un peu de temps pour nous. En fait, il y a beaucoup de liens entre l'étude des perforations justement dans les carottages et le climat. Et est-ce qu'on peut expliquer aussi toutes ces fluctuations de climat qu'il y a eu comme on a vu tout à l'heure, tu disais à un moment donné c'était le soleil. Les grandes fluctuations. Comment ça s'explique ça? Les grandes fluctuations qu'on va retrouver sur cette courbe. Alors, le début des fluctuations est principalement lié à un soleil dont l'énergie est nettement inférieure, peut-être 20 à 25%. Il émettait 25% de moins en énergie dans les temps les plus anciens, au-delà d'un milliard d'années. Ce qui expliquerait, mais ça reste à mettre au conditionnel, la Terre boule de neige. Ensuite, on a la position des continents. Et la position, la dérive des continents, c'est un des principaux forçages climatiques. C'est-à-dire que si vous avez des continents rassemblés à l'équateur, le climat est chaud. Si vous avez des continents rassemblés de préférence au pôle, le climat est beaucoup plus froid. Puis après, il y a le sens et la circulation des courants océaniques autour de ces continents. Et ça aussi, c'est très très important. Les courants océaniques, comme on les connaît aujourd'hui, se sont mis en place à la fermeture de l'isthme de Panama il y a 4 millions d'années à peu près. Donc à 4 millions d'années, on a la circulation thermohaline qu'on connaît aujourd'hui. Et un hémisphère nord qui est beaucoup plus arrosé, et notamment le Groenland et les Alpes. Donc la position des continents et des courants marins, c'est un des principaux forçages. Dans 40 millions, 50 millions d'années, bon là c'est encore une autre histoire, la position de l'Europe sera plus au nord. Donc on aura peut-être plus de glaciers. Là il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la tectonique qui peut peut-être donner quelques infos là-dessus. Ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas tant. Hein. Ouais. Mais d'après la dérive des continents, ce serait plutôt dans ce sens-là que ça irait. Mais peut-être à l'échelle. La Californie, elle monte à 6 cm par an. Elle va être plus vite. Elle va refroidir aussi alors. Ah ben, elle s'en refroidira, là, en tout cas, c'est sûr.
on l'attend quand même. Mais alors là, par contre... Là, alors, les fluctuations concernant les grandes glaciations, ces fluctuations à partir du Pliocène, il y a 3 millions d'années, ce serait plutôt les paramètres astronomiques. Autrement dit, la position de la Terre sur son axe, plus ou moins incliné, la position de la Terre qui décrit un axe plus ou moins allongé à certaines périodes, et la précession des équinoxes. Et ces paramètres-là font qu'on rentre dans une période glaciaire ou qu'on en sort. Et la fréquence de ces paramètres fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation confortable pour qu'on ait un englacement généralisé. Enfin, généralisé, un englacement très favorable. Par exemple, il y a 15 000 ans, alors que les glaciers arrivaient encore presque au faillet, eh bien, les paramètres astronomiques montraient une situation propice à la déglaciation. C'était le climat chaud. Comment il y a un temps de réponse. Alors, juste une dernière chose. Pour les fluctuations de plus courte durée, comme celle des temps post-glaciaires, petit âge glaciaire, réchauffement, là, on serait plutôt soit dans la circulation océanique, la NAO, oscillation nord-atlantique, soit dans ce qu'on appelle l'activité solaire, les cycles de Maunder, cycles de Sporer, ce serait plutôt dans ce registre. Et il y a aussi un autre phénomène qui a été étudié il y a pas longtemps, c'est le volcanisme. Les volcans d'Islande, entre autres, de l'hémisphère sud, ont été peut-être des catalyseurs pour déclencher le petit âge glaciaire. Le volcanisme, c'est un paramètre très important. Alors, c'était ma question, mais c'est à une échelle très 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 courte, je crois, le volcanisme. Sur quelques années, oui. Ouais. Ouais. Oui, oui, parce que les poussières sont rapidement dissipées et retombent assez vite. Mais Krakatoa, en 1893, ça a refroidi d'un degré et demi, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça a duré 12 ans. Tambora, en Indonésie, ça a été en 1815. Ça a été catastrophique pendant quelques années. D'où les étés, l'année sans été, je crois que c'est 1816, je me sens bien. Eh bien, ça, c'est les grandes crues du glacier de Jétro, eh bien, même la mer de glace et les bossons, c'est cette époque-là. La catastrophe de Jétro survient en 1818, après plusieurs années de crues importantes des glaciers. Les premiers hommes, vous pouvez les resituer, là, c'est 60 000 ans à peu près, non, alors ça dépend à quel niveau vous situez l'homme, l'Homo habilis, l'Homo sapiens. Et tout ça, voilà, déjà, l'Homo habilis, c'est 1,5 million d'années. Alors, 1,5 million d'années, on est dans ce secteur-là. Voilà, on est par là. 1,5 million d'années, il y a déjà des glaciations. Elles ont une amplitude moins importante, c'est seulement à partir d'un million d'années qu'elles ont une grande amplitude et qu'on a des grandes glaciations. Et l'homme, les pré-néandertaliens, on va les trouver il y a à peu près 300 000 ans, pendant le RIS. Et le néandertal évolue vraiment à la fin du RIS et pendant une bonne partie du Jurne. Et là, il va côtoyer pendant le Jurne, jusqu'à 30 000 ans à peu près, les Homo sapiens. Et l'Homo sapiens devient dominant à partir de 25-30 000 ans, plutôt 30 000. On a des campements néandertaliens dans les Alpes qui sont datés autour de 35-38 000 ans, dans des grottes. Gibier daté, industrie... À l'époque du Verne. Industrie lithique, oui, pendant le Donc ils étaient plutôt... Ils étaient situés où Par exemple, dans la vallée de l'Arve. Ouais. Dans la vallée de l'Arve, vous voyez, on a... Au Salève, je sais qu'il y avait des groupes. Alors, c'est les abris sauvages de Verrier sous Salève. Ouais. Alors, c'est les Magdaléniens, c'est un chasseur magdalénien d'il y a 15 000 ans, 14 000 ans. Par contre, les hommes de Néandertal des Alpes, on en retrouve dans le vallon Tanné, dans la vallée du Rhône, un petit peu en aval de Martigny, une gauche, à 1500 mètres quand même, ça veut dire que les glaciers avaient bien reculé. Ouais. Et c'est cette période-là, là, vous voyez ce petit réchauffement-là, vers 30 000 ans, entre 30 et 50 000 ans. Là, on a 20 000 ans de réchauffement, de retrait intense des glaciers. Et dans la vallée de l'Arve, on va trouver les traces de l'industrie moustérienne dans la grotte d'Ognon, la grotte du Barret, au village d'Ognon. Voilà. Vous vous servez du passé, en fait, pour faire des projections sur de futures aires glaciaires, 30 ou 40 000 ans. Oui. Mais dans le passé, il n'y avait pas toute la pollution industrielle. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, est-ce qu'on est en capacité de dire, avec tout ce que l'on rejette aujourd'hui, tout ce qui est fait de gaz de serre, qu'est-ce que ça va donner? Alors, ce qu'on est sûr, c'est qu'il faudra quelques millénaires pour absorber tous ces excédents. Et ça, c'est la circulation thermohaline qui va s'en charger.
à condition qu'on arrête d'émettre des gaz à effet de serre aussi. Par contre, il y a un autre phénomène qui risque de se produire, c'est non pas un emballement, mais on pourrait avoir un interglaciaire qui serait plus long, comme certains interglaciaires l'ont été. Un interglaciaire qui durerait 80 000 ans, par exemple. Au lieu de 30 ou 40. Ça, c'est pas exclu. Ouais. Voire même 150 000 ans, d'après Catherine Ritz du laboratoire de glaciologie. Mais nous, on regarde à 100 ans près. Oui, mais 600 ans, je crois qu'il ne faut pas avoir trop d'espoir. Il ne faut pas vous donner de faux espoirs. Je ne veux pas vous vendre des glaciers qui reprennent du volume dans les 20 ans, par exemple. C'est dommage. Sylvain, une question sur ces histoires de glaciers froids. Sous l'Antarctique, on fait des forages, et à la base de la calotte, il fait 0 degré. Oui, totalement. Ouais. Alors, je me posais la question sur les glaciers alpins dans les zones d'accumulation, en haut d'Aletsch, par exemple, ou peut-être dans le haut de la Vallée Blanche, ou sur la partie qui est classée comme glacier froid, s'il y a des mesures de température en bas. Oui, en fait, on s'aperçoit que tout le socle rocheux de ces glaciers est à zéro, voire au-dessus de zéro. Parce qu'il y a un film d'eau. Il y a un film d'eau. Il y a le cardio géothermique. Voilà. Alors, on considère que la perte d'épaisseur du glacier au niveau du col du Midi, par exemple, sous 150 mètres de glace, c'est à peu près 5 mm par fusion. Par en dessous. Oui, par en dessous. En Antarctique aussi. Alors, en Antarctique, on a des glaciers qui sont froids dans toute la masse, entre moins 30 et moins 54 degrés à peu près. Mais à sous 3500 voire 4000 mètres d'épaisseur de glace, notamment à l'emplacement du lac Vostok, on a de la glace qui est un film de glace juste au-dessus de la cavité du lac Vostok qui est à 0 degré. Il y a des lacs en dessous. Il y a des lacs. Ouais. Et si on a encore 10 hivers comme celui qu'on vient d'avoir, qu'est-ce qui va se passer à Chamonix? Rien, c'est les étés qui vont. la suite des glaciers. Le glacier survivra à condition qu'on ait des étés pourris. C'est pas tellement. Ce ne sont pas les hivers, ça joue, un gros cumul. Il faut que cette neige soit bien préservée pendant l'été. Et le Mont Blanc, il ne bougera pas. Bah, pour l'instant, il ne bouge pas. Hein. Il est peu probable que le Mont Blanc ait bougé depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Il date de quand? Mais la glace, de toute façon, elle est jeune, parce que la glace, elle se renouvelle en permanence. Il y a un fluage interne. Et le Mont Blanc ne s'érode pas, il monte un tout petit peu. Hein. Les chiffres sont un peu controversés. 110, 4107. On parle d'un millimètre par an, c'est peut-être pas ça. En moyenne, sur le bord des Alpes, ça monte d'un millimètre par an. Ça s'érode d'un millimètre par an, mais le bilan global, c'est un millimètre par an. Il y a des zones qui sont en subidance aussi. Quand ils ont fait. Oui, localement. Oui, localement. Mais en moyenne, il y a des surrections. On n'a pas des surrections comme l'Himalaya, par exemple. C'est pas du centimètre par an. Ouais, là, c'est du centimètre. Dans Garbarba, je crois que c'est entre 1 et 2 centimètres par an. Voilà. Pas d'autres questions? Moi, je vous invite à aller voir un verre.